Kato, c'est compté. Feldesh, c'est compté. Et l'ourson, c'est compté. Voilà. Maintenant, il faut que lui fasse un jet de réflexe au sol pour ne pas prendre les dégâts de l'explosion. Mais c'est au sol quand même. Il est là. Il s'est bien écroulé. Et là, il se dégage un truc. Il y a un nuage de fumée. Vert. Hein. Alors, je vais vous faire le coup que j'avais pas pu faire la dernière fois. À partir de maintenant, si vous me dites que vous retenez votre respiration, faut me le dire. Est-ce qu'on peut savoir si le truc est toxique? Je sais pas, tu as envie de respirer pour le savoir? Nato, c'est ton tour, qu'est-ce que je fais? Je retiens ma respiration. D'accord. Fais gaffe, t'as deux rounds, hein, tu perds ta respiration. Non, t'as le droit, je t'explique, en fait, t'as le droit à un nombre de rounds égal à deux fois ta constitution. Et si tu fais des actions, genre attaquer, c'est seulement ta constitution. Donc là, t'as le droit genre à 16 rounds sans respirer. Ça va, c'est large. On entend le défoncer. Je vais l'attaquer. Alors là, tu vois plus rien si tu veux. T'as une silhouette sombre sur le sol. Bah, tu peux attaquer au juge. Tu peux attaquer, mais tu restes de la rater en fait. D'accord. Donc fais-moi le jet d'attaque. Oui, bah, j'ai raté. D'accord. Ensuite, Luca. Alors, du coup, je ne rentre pas. Sortir des escaliers, mais. Loin du gaz. Voilà, donc je reste là. Je peux dire un nounours, s'il te plaît. Nounours revient, nounours revient. Nounours revient. Garnef. Garnef, deux secondes. Garnef, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rentrer dans le nuage en retenant sa respiration. Ah oui, c'est un ouf. YOLO. Il voit bien la silhouette. Si tu veux, t'as genre la silhouette de tes potes et puis il reste un truc par terre. Donc tu l'as vu par terre, donc tu. Donc j'essaie de taper. Non, j'essaie pas de taper. J'essaie de faire un sort d'immobilisation avant qu'il relance une fiole. Oui, excuse-moi. Immobilisation. Ouais. Ouais, je considérais qu'il y a. Ouais, ok. Tu vas considérer donc que je. Non, c'est bon. Parce que j'allais considérer que peut-être que tu vois pas, ça allait influencer, mais non, de toute façon, c'est la cible que tu vises, donc c'est bon. Donc, c'est pris en compte. Style. Il est devant moi. Ouais, il y a une cible devant toi et t'as le prêtre qui a fait une implantation à côté. Si. Ne coupe pas, toi. Attends, j'en suis. J'utilise mon vêtement pour me le mettre devant la bouche. Et tu vas se faire à travers. Ouais. D'accord. Et j'attaque la chose. Alors, je vois si c'est mou. Attends, je tape du pied. Juste, j'arrive. Pouit, pouit. Okay. Ça pue, mais tu ressens rien pour le moment. Ok. Donc tu vises dessus. Je l'attaque. D'accord. Alors moi je vais faire le pourcentage pour voir si tu touches vraiment ou si le gaz a fait que t'as pas bien visé ta cible. Tu préfères un petit ou un gros score? De quoi? De score de quoi? C'est un pourcentage, il y a 50%, donc c'est soit au-dessus soit en dessous. Tu préfères un petit score ou un gros score? Mais ça correspond à quoi le score? Ah, rien du tout, c'est juste savoir si tu as envie que je fasse une grosse valeur ou une petite valeur. Ou pour savoir si tu le touches ou pas. Ah c'est vraiment comme tu veux. Petit. Petit. Alors tu tapes dans de la chair. Ok. Fais-moi les dégâts. Deux. Ok, ça crie. Il est résistant ce coup. Tajesh. Tajvar, il est dans le nuage, il retient sa respiration. Là, techniquement, ça fait. Que fait Tajeshvar. Tajeshvar, il pointe son bouclier pour essayer d'éclairer au maximum le mec en retenant sa respiration. Ça reste très très flou quand même. Bah, il essaye quand même. Et ok. Immobilisation, oublie pas. C'est vrai. Alors, ok, Nato. Il te reste encore 15 rounds. Bon, oui, je sais, mais du coup, je suis déçu. Quoi, t'es déçu par quoi? C'est pas le boss, hein. Je sais pas, il est pauvre. Elle est déçue. Pas Bon, je le frappe, ok. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ok, j'ai pas envie de taper, t'as pas envie de taper? Oui, oui. Non, j'ai pas envie de taper, je recule. Et merde. Non. Bon, bah, tu recules. Luca. T'as avec ton nounours. Putain, j'ai bien démerdé. Garnef. Hein. Garnef, il est immobilisé ou pas du coup? Je sais pas. La silhouette est toujours là. D'accord.
Qui es-tu? Où est ton chef? Et je me tiens la respiration et je me retiens la respiration. Mais il est pas inconscient hein. Où est ton chef? Ouais. De toute façon, il n'y a plus qu'un seul. Ça roule le style. Moi je continue d'attaquer. Où est ton chef? C'est ça, c'est un peu ça. Style. Moi je l'attaque encore. Ouais, vas-y. Putain. Et ça critique. Mais tout ce qui se prend avec. Non. Non, c'est pas un critique, non. C'est faux espoir. Vas-y, donc petit ou gros score? Gros score. Tu tapes dans de la chair. Le mec il est encore vivant. Donc les dégâts? 1. Voilà, bon, pas trop mal hein. Eh hey. Ta gèche. Ça, ça a pas crié ce coup-ci. Ta gèche. En même temps, il est un peu genre. Ta gèche. Qu'est-ce qu'il fait ta gèche? Je vais essayer de taper au juge. Vas-y. En vrai, il a fait comme les ninjas, il a fait transplantation. Et à la place, il a mis un bonus à la tête. 15 plus le 4, tu tombes à terre. Petit ou gros score? C'est quoi petit ou gros score? Alors, en gros, c'est un jet de pourcentage. Est-ce que tu préfères que je fasse une grosse valeur ou une petite valeur? D'accord, petit. Tu tapes dans de la chair. Putain, vous avez du cul quand même. Bah, les dégâts, je te fais. 7. 6. 7. Non, il y a plus 2, donc 8. Non, il y a plus. Ah oui, merde, oui. 8. Putain, il donne des dégâts là. D'accord. Ben. Il le regarde. Mais tu bouges pas. Nato. Il continue à taper le dard dans le brouillard. Est-ce que j'ai le droit de me défoncer comme ça? Putain. Je sais pas moi. Pour l'instant, il crie pas parce qu'il est genre un peu immobilisé. Il est mort. Nato, combien de temps ça Moi, est-ce que je peux avancer? Je fais genre 1, 2. 3, 4. Je brosse l'air avec mes bras pour essayer d'évacuer. Alors, t'as pas de problème de dégâts. Et je vais garder ça sur la table. La table est dans le brouillard en fait. On sait pas ce qu'on fait. Donc ce côté-là, je peux. On tape dans de la chair. Ouais, tu fais que te déplacer. Bah, si tu veux, là, t'es genre au bout de la table, il y a encore la boule de boire dessus. Oui, c'est pas grave. Tu vois rien. Et en fait, il est dans la trop bonne zone. Genre, il a bloqué tout ce qu'il y a là. Luca. Je peux rien observer. Vous avez pas besoin d'aide en fait. Genre, la table qui est là. J'en parle. Ça va? Garnef. Il répond plus, je dis à mes camarades d'arrêter de taper. Je sais pas si vous m'écoutez. Je me tiens à l'avant. Oh, elle t'a frappé! Style. Bon, je mets quand même un coup, on sait jamais. Vas-y, tape. Pas déconner. La fumée se dissout au bout de combien de temps? Je sais pas. Et c'est un critique. Ah, okay. Vas-y, relance. Non. T'as plus. Tu fais qu'un seul coup là en fait. Ouais. D'accord, donc t'as 6, ça me fait 14. En fait, c'est hauteur, ça fait 18. Petit ou gros score? Pour ça, si tu le touches, c'est toujours pareil. Petit. T'as tapé sur du sol. Oui, on avait compris. Ta gèche. Ta gèche, il sort de la fumée parce que ça fait quand même un petit moment. Et le coup, je prends une tour. Qui a un rapport à ventilo, un truc. C'est le dernier tour d'immobilisation, on est d'accord. Il faut qu'il fasse un truc complexe, je sais pas quoi. Ouais, non, mais de toute façon, il pourra rien faire d'autre s'il veut se sortir de là, donc c'est compté. Nato. J'essaye d'en. J'ai dit, on va se faire avec ses bras comme ça. Je prends mon bouclier, je sur la table, et je crois qu'il y a une arme là. Ouais, tu tombes sur un truc en métal. Je récupère ça. Ok, ça tombe en morceaux. Ah, Luca. T'as un bouc qui est dans ta main. T'es avancé dans le monde, mais bon. En vrai, c'est la fumée, tu vois, qui a tout dit ce qui est disloqué là. En fait, ceux qui l'ont respiré, on est dans la merde. Ça nous aurait fait mal aussi, je pense. Tu peux aller par là ? On a tous retenu notre respiration. Ouais, bon. T'as les micro-particules et tout. C'est pas scrap-up. 5, 6, ok. L'ours, il fait quoi ? Non, il me suit. Parce que je sais pas. Il va dans la fumée, par contre. Il met là ou là ? Mais là, non, il se met là. Ah non, il était avant toi. Non, il était avant. Comment ça, il était avant moi ? Genre, t'étais là et il était là. Oui. Donc, du coup, ouais, il peut arriver avant toi. Garnef. T'arrives sur un balcon avec des grosses machineries, genre des tubes en métal, montés sur des roues. Ah, c'est des. Ok. C'est des trucs à eux. Hein c'est genre couché sur. C'est comme des. T'imagines un énorme cylindre ouais. Fermé au bout et monté sur des roues. C'est une distillerie? Non, parce que ce serait un alambic, ce serait genre comme ça. Non, là, c'est des trucs avec des canards de. Réponds! Je vais te le dessiner, ça sera plus simple. Ah bah c'est un canon.
Peut-être. Je sais pas. Vous savez ce que c'est que des canons, vous? Toi, t'es druide. Ah oui, non, c'est elle qui connaît. C'est la forêt. C'est un canon, les meufs. J'ai demandé d'arrêter de taper, je veux toujours qu'on arrête de taper. Style. Moi j'en sors parce que ça sert à rien si j'ai tapé dans du métal là et je sais même pas si. Enfin dans du sol, je sais même pas s'il est toujours là. Parce que t'as raté. Non mais ça se trouve c'est parce qu'il est plus là aussi. Donc je me mets là. D'accord. En fait, y'a que toi qui n'es pas sorti du brouillard et qui est à côté. je demande à Garnef s'il va bien du coup, parce que tout le monde l'a laissé tomber et que personne ne l'a écouté. Là. Mato. Je me dirige. Bah, viens par là. Je me dirige vers les filles. Dis-nous ce que c'était. Avec ton bout de métal à l'air. Avec les filles, donc l'ours, c'est une fille. Non, c'est Jora. Mais Jora est en fait. Ça veut rien dire. Kevin est une fille. Et je veux. J'identifie la pièce. Excuse-moi. Ah bon, hein. Oh, c'est comme dans Link. Ah, ok, c'est mignon. Pourquoi il y en a un qui est tourné vers nous? Suppositoire. Non, il n'est pas tourné vers vous. Pourquoi il est comme ça? En fait, son... Non, mais ça c'était pour illustrer ce que c'était. Il est tourné vers l'extérieur en fait. Ah, le vert, tu comptes pas le vert. J'enlève alors, ça me perturbe. Il n'y a personne. Bah, il y avait lui. C'est un balcon quoi, avec des canons. Tu as une vue sur l'extérieur. Oh, l'extérieur. Oh. La lumière de la lune. C'est pas grave. Moi, je vais dans le nord. Ah, mais attends, t'es demi-elfe. Tu peux voir, toi. Oui. Avec la lumière de la lune. Y'a personne, du coup. Non. Faut regarder où ils sont pointés, les canons. Ah, là, de là où tu es, tu ne vois personne. Ah, je vais m'avancer. Putain, moi j'ai l'air con comme ça, j'ai quoi? Arrêtez de frapper! Genre, arrêtez de frapper! Il soit plus personnel! Il est tout seul, on est déjà parti depuis longtemps, il est toujours là! Tu remarques que tu ne discernes aucune silhouette. Ok. Garnef. Chant du brouillard, parce que je vais commencer à étouffer, hein, mais. Bon. Ensuite, style. Perception à l'intérieur de la fumée. Ah non, là tu vas vraiment rien discerner. Mais yes. Y'a rien, je peux rien faire quoi. Je vais là, je tends la main et j'attrape ce qu'il y a sous ma main. Comme moi. Tu tombes sur une feuille avec des trucs écrits dessus. Et je sais pas lire. Non, tu ne sais pas lire. D'accord. Ah, Tajesh va. En vrai, il y avait un bocal avec tout le bizarre dedans, c'est incroyable. C'est ça. Luca, qu'est-ce que tu vois? On aurait dû investir dans le Tokyo. ici le colonel Grotwit. ah ouais, non mais direct quoi, direct. Vous attendez, là, bon. Apparemment, il y a personne là-bas. Là-dedans, ça bouge plus. Vous attendez combien de temps? Moi, je retourne là. Mais attends, mais il y avait un mec là, avec un expert aux armes. Qui s'est cassé là et je mets un coup de pied, tu sais, genre. Il y a quelque chose là, il y a un truc qui a plus du tout. Faut que tu le prennes et que tu le. Ah oui, mais je le prends. C'est relativement mou, mais ça a fait ching 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 quand je prends la chose que j'ai sous mes pieds et je recule. Voilà. Bah, il est là par terre, il est. Et il a fait du bruit encore. Il fait du bruit. Ouais, c'est moyen, le bruit. Il est vivant. Qu'est-ce que vous faites? Attendez, s'il est. Ligote-le. Ouais, je le ligote. C'est bien en fait. Les autres, approchez-vous. Le temps de le ligoter, le brouillard est fini. Même l'OMG en a marre en fait. C'est fini. Une bande d'empotés qui fait genre 5 tours à faire le cadavre. Je vais aller en continuer. Comme ça, il va bien parler en fait. Le mec, il réagissait même plus, il faisait plus rien. Non, je vais le taper. Mais il a fait immobilisation donc il pouvait plus. Si ton collectif t'aurait pu véritablement tuer. Ah sérieux? Ouais. Attends, on aurait été dans la merde. On aurait été dans. Tant mieux en fait. Ouf, putain. Bon, Inquisiteur, Tajesh, on a fini les initiatives. Et personne n'a interrogatoire? Si. Ah, non, pas psychologie. Personne n'a jamais lancé le truc que vous lancez jamais, c'est-à-dire stabilisation. Ah oui, je peux pas. Ah oui, exact. Si, je l'ai. Si, je l'ai. C'est le premier secours. Moi aussi. Si, je l'ai. Oui, bah fais-le. Je me fais. Bah fais-le. Nickel. Ok, donc s'il est pas mort, il est stabilisé. Oui. Ah putain, ah ouais, ok, non, t'as une chance sur deux de le buter quand même. Ouf. Super. En plus, vous êtes bien acharné. Ah non, c'est acharné pour le coup. Soigne-le. Je peux faire ça deux fois, deux trucs? Je peux le. Ouais, ok, bah vas-y. Ah oui, vas-y.
C'est toujours mieux parce que ça, on l'a ligoté. On l'a ligoté, hein, ça y est. Ouais, il est ligoté. Il ne bouge pas.